OK, dans cette vidéo-là, nous allons vous développer Personal and Small Business Finance. OK, subtopic, c'est Simple Interest. OK, allez, nous commençons. Première question. Right, déjà toi, calculer le Simple Interest. C'est-à-dire que je suis à calculer le Simple Interest I. OK, qui nous représente par l'alphabet I. When a sum of money, autant is invested. C'est-à-dire que c'est le principal. OK, nous investissons tout l'argent. For a period of 4 years, which is the time. Time c'est 4 years, at an interest rate of 5% per annum. OK, ça c'est le rate. La dernière des conditions, faire bien attention au time, pour te remplacer de 4 000, time là, il y a besoin de years. Si tu n'as pas une years, tu as besoin de convertir, faire living in years, et n'a pas de donner une month. Avec GET là, ça, interest rate là, il y a besoin de 5% tous les temps, per annum, par l'année. OK, là, là, qui est capable de remplacer de 4 000, là, rappelle ça, là, il est bien important, time in years. Et que le rate est par annum. Si arrivé le rate est à 5% par every 6 months. Là, c'est 5% pour 6 mois. Là, pour 1 an, il faut 5 fois 10, 10%. 10 qui est pour vous remplacer de la formule. OK, faire bien attention. Right, vais dire là-dedans, si vous savez une formule, simple interest is equal to PRT over 100. OK, le principal ici de 80 000. Fois nos rate de 5%, pas besoin de créer 5% là parce que des 1 à 5%, veut dire 5 divisé par 100, ça sent là le des 1 en bas de la formule là. 5% fois time t qui 4 years. À ça nous diviser, nous gagnons une réponse. Des 0 coupé ici, des 0 coupé ici. 800 fois 5 fois 4. Allez, de la 5 fois 4 facile, divine 20. Nous faisons 800 fois 20. 800 fois 20. OK, 1, 2, 3, 0, nous mettons là, 1, 2, 3, là, 8 fois 2 fait à 16. Alors, réponse, vin, combien de simple interest, vin? 16 000 roupies. Et ça même qui te demande, toi, road simple interest, réponse, vin, 16 000 roupies. OK, ça, c'est question N. Next, question 2, pareil, road simple interest, nous allons organiser, c'est que c'est simple interest, plus un roadé. When the sum of 20 000 roupies is invested, we get the principal. Right, invested amount de 20 000. Unit nous va pour remplacer la formule. Nous mettons 10 ce qui pour remplacer la formule. For a period of 18 months. Vous trouvez là? Time là, li 18 months. Okay, time là, li 18 months. Mais nous, quand nous pour remplacer la formule, nous pas pour remplacer une month. Nous faisons living years. Et comment nous faisons month in years? Nous pouvons diviser par 12. Ok? Ça veut dire que nous faisons 18 divisé par 12. Autant years que vous faire. The time. OK, nous divise par 6, il fait 2, divise par 6, fait 3. Et la time là, 3 divise par 2, vous pouvez trouver que 3 divise par 2 fait n.5. Autant years, il fait. Et la time là, nous pouvons remplacer n.5 de la formule là. Et que rate là, comme il dit, interest rate, 7% per annum, ça clanit 7%, nous pouvons remplacer 7 de la formule. Alors, nous appliquons nos formules. Simple interest I is equal to PRT over 100. I, ce que nous avons pour roder, principal de 20 000, fois le rate de 7%, fois le time de n.5. OK, si nous simplifions 0, 0, 0, 0 coupé, devine 200 fois 7 fois n.5. OK, tu as fait ça là avant, après fois 200, négligez-toi. Ou soit tu as fait 200 fois 7 avant, il est pareil. Parce que c'est multiplication commutative, tu fais ça avant ça, il n'est pas pareil. OK, right, il n'est pas commutative, c'est plutôt associative property. Associative property veut dire. Tu fais ça avant le là, ça là, ou ça ça là avant le là, ça là, il paraît. Ça, c'est associative property. Right là? Alors, nous faisons 200 fois 7, si tu en veux. Right? 200 fois 7. 0, 0 coupé. 2 fois 7 fait 14. Fait 1400. Qui n'est pas besoin de fois par n.5. Ok? 1400 fois n.5. Le bout de 5 décimal là. Tu as la nous pour retenir. Là, nous avons 1400 pour faire avec 15. Alors, nous faisons 1400 fois 15. Nous coupons ça des 0 là. Qui est bien là, hein? Une coupe de 0 là, là, nous peut faire 14 fois 5 là. Right? Allez, nous fait 14 fois 15, sorry. 14 fois 15. 4 fois 5 fait 20. N fois 5 fait 5. Plus 2 fait 7. Nous coupe 5 là, nous mettons 0 là. N fois 4 fait 4. N fois N fait N. Divine 0. 7 plus 4 fait 11. Et N plus N fait 2. Ça, des 0 qui nous coupe là, nous mettons ici. Next, on rappelle, nous avons un décimal. Nous retournons un décimal là. Divine combien? Divine 2100. OK, ça veut dire simple interest, combien? 2100 roupies.
Ouais, t'as 200 fois 7 000 fait, après une fois, il prend 1.5. Ça va devenir 2100. Right, ben calcul facile, mais plus qu'on organise. Right, sa classe qui était là, dans la classe qui était, pas supposé qu'il y ait un problème, ça m'a calculé là. C'est les primaires qui ont un problème, ça m'a calculé là, je non. Right, réponse 2100. Next, on a la question 3. Question 3, là, il y a a sum of 40,000 rupees is invested for a period of 5 years. Il y a un principal de 40 000. Time de l'investir pour 5 ans, in years, at an interest rate of 12.5% per annum. Le taux interest rate est 12.5%. Interest rate, ça c'est or. Interest rate est 12.5 per annum. Bien bon. Or, si on a un calcul simple interest I, qui nous gagne par formule, P or T over 100, qui vient P de 40 000, fois rate est 12.5%. Fois time 5. Alors, on a un simple interest 0,00 coupé. 400 fois 12.5 fois 5. Ok, nous organisons. Nous avons fait 12.5 fois 400 avant. 12.5 fois 400. Nous, 12 décimales là, nous coupons ça les 0 là. Ok, là, on a 125 fois 4, 5 fois 4 fait 20. 2 fois 4 fait 8, plus 2 fait à 10. Right, et que n fois 4, 4 plus n fait à 5. Ok, nous retirons 5 fois 4, 20, 2 fois 4, 8, 9, 10, n fois 4, 5. Bien bon. Là, ça des 0 là, nous retournons. Là, 5 décimales que je suppose, nous retournons. Divine, 5000. Ok, 12.5 fois 400, fais-toi 5000. À ce ça 5000 là, nous avons besoin de faire qu'ils aient fait, besoin de faire par 5. Et 5000, si nous faisons par 5, combien de vous venez? Il fait à 25 000. Ok, veut dire réponse, vin, simple interest, ça vin, 25 000 roupies. Ok, simple interest, partie A, vin, 25 000 roupies. Mais ça, c'est l'intérêt qu'a ça en plus. Mais total amount, comment vous venez partie B? Total amount, comment nous gagnons total amount, qui nous représente par l'alphabet A, c'est de prendre simple interest, plus trois autres principal. Ok, right, à ce simple interest, ça, nous finissons par calculer ça. Nous gagnons 25 000. Plus sa casse que tu as investi là, combien tu as investi? 40 000. Combien de vous faire? Combien de 1000 de vous faire? 25 plus 40, combien de vous faire? 65. Ok, 5, nous allons checker que tu viens 65. Et là, ton amount vient 65 000 roupies. Ok, on a fini mes unités là. Right, ça c'est question 3. Next, on a la question 4. Question 4, il y a ta find the principal. Ici, c'est ça question là pour besoin de principal. Ça qui te pas connaît. Simple interest, ça te connaît les 2250. Simple interest, te connaît les 2250. In 30 months. Ok, la time, là, in month. Donc, on va faire des 20 years, nous divise par 12. Right? Month in years. Years in month fois 12. Month in years, nous divise par 12. Alors, qu'il est devenu 30 divisé par 12. Nous divise par 3 fait 10. Divise par 3 fait 4. Ok, nous ne pas divise par 2 fait 2. Divise par 2 fait 5. Ok, 5 l'eau 2, qui quand vous faites une décimale, il vous faites 2.5 years. Alors, time vient 2.5. At an interest rate of 8% per annum. Ça va être rate 8. Ok, ça ne vous passe pas même formule, ne pas vous fatiguer de la tête à mais nous n'apprenons comment faire ça avec la formule, right? Nous pouvons organiser. Formule, nous pouvons servir I is equal to P or T over 100. Ok, nous nous faisons le principal. Ici, nous sommes capables de faire PVIN tout seul. Cross multiply fait PVIN tout seul ou tu vas pas finir remplacer valeur là de là te fait PVIN tout seul il dépend de toi. Ok, A là 2250 égal principal nous pas connaît P fois rate nous connaît 8. C'est principal là nous pas connaît, nous mettons unknown parce que nous avons ça. Et time là dit combien? Time là 2.5 divisé par 100. À ça nous fait PVIN subject of formula. Nous cross multiply et P fois 8 fois 2.5 nous pouvons fois li par N. Et vous venez parer P fois 8 fois 2.5 égale ici 2250 fois 100. 2250 fois 100. Ah, ça c'est pour faire P vin tout seul, get tout ça la P fois. Donc, vous voyez directement là-bas. Là, c'est que nous faisons nos calculs. Soit, je vais finir de faire ce calcul step by step. Mon vide donner la ligne, c'est que je fais mon calcul. Fois 100 divisé par 8 fois 2.5. Ok, à ça nous évaluer. Right, allez nous organiser. Nous sommes capables de réduire si j'ai envie. C'est comme, voilà, on est divisé par 4, divisé par 2. Attends, avant, nous finissons de multiplier. Facile, 8 fois 2.5, nous avons trouvé une réponse facile. 2.5 fois 8,
nous bouge 5 décimales là, il vient 25 fois 8. 5 fois 8 fait 40. 2 fois 8 fait toi 16, plus 4 fait toi 20. Nous retournons 5 décimales là, il vient 20. Ça veut dire là où là, il est bien facile. Si tu fais ça fois 100, il te met des zéros là. Ok, il vient 225 000 divisé par en bas, nous gagnons 20. 8 fois 2,5. 0, 0 coupé. Là, il vient 22 500 divisé par 2. Divisé par 2. Regardez nous pour diviser par 2 là. 2 divisé par 2 fait 1, 2 divisé par 2 fait 1, 5 divisé par 2 4 qui prédivine 2, remainder n. Et 10 divisé par 2 fait 5, 0 divisé par 2 fait 0. On va gagner mot principal combien? 11 250. C'est un mot principal, il y a 11 250. Ok, ça c'est question 4.